Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans la Trick Track Télé. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté ce petit dessert anglais qui fait comme ça, un petit peu transparent. Il y a des fois, ça fait des choses dans l'estomac, on a envie de se venger. Eh bien, ça tombe bien, on va pouvoir le dézinguer. En tout cas, le Jelly Monster, Attack of the Jelly Monster, c'est chez Libellude. C'est un jeu d'Antonin Bocara et ça tombe bien, c'est lui-même que nous avons à la table. Salutations, Antonin. Salut, Guillaume. Et donc, en tant que représentant de la maison d'édition Libellude, c'est Roméo. Non, pas du tout. C'est le frère de... Oui, en effet, je me permets. Salutations, Roméo. Bienvenue à toi dans la Trick Track Télé. Antonin, un jeu qui t'appartient, un jeu sorti de ton cerveau, je n'ai pas dit un cerveau de malade, sorti de ton cerveau, Attack of the Jelly Monster. Chez Libellude, donc, c'est déjà disponible, ça se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. 15 minutes délirantes, vous allez voir, comme le sait le faire Antonin, il y a du temps réel, ça va aller très vite, c'est du frénétique. C'est illustré par Guillaume Duchemin. On a tout dit, c'est déjà disponible en boutique. Ouais. On n'a plus qu'à se lancer les dés. C'est ça, exactement. Ça je mets ça dans le devers de Trick Track. Tu as fait la mise en place pour 3 joueurs. Les dés violets et rouges ne seront pas utilisés pour cette fois puisqu'on ne les a pas pris. Exactement. Et que fait-on? Alors, dans ce jeu, on va essayer de récolter de la gelée. Okay, il y a un immense monstre qui est arrivé et dans 4 tours, il sera, l'armée va le prendre. Et nous, dans ces 4 tours, on va essayer de récupérer sa gelée incroyable qui apparemment aurait des propriétés. Ah bah c'est pour ça que les Anglais en ont fait un dessert, hein. c'est pas pour rien. Vas-y. Alors, comment on joue? Ne file pas. On joue tous en même temps, c'est un jeu en simultané. Okay. L'action qu'on va faire est toujours la même. On prend les dés, on les lance là, comme ça. Donc c'est notre, notre petit boîtier, hein, à notre couleur en plus, qui plus est. Et puis on peut y voir les choses qu'on peut faire visiblement avec les dés. Attends, bouge pas, je te remets ça, Germain. Pouf, voilà, j'ai fait ça moi. C'est ça, à chaque fois que tu as joué, oui. Soit tu places un dé, soit aucun. Si tu places un dé, je prends un dé, celui de mon choix, ok, hop, je soulève, tac, et vas-y, tu le mets devant le quartier de ton choix, ok, par exemple. Et ensuite, tu recommences, tu relances. Ah d'accord, donc tu enlèves les dés et voilà. Tu relances, d'accord. Okay. Si aucun dé ne t'intéresse, tu peux très tu bien… Tu prends et tu relances. Voilà, okay, tous en même temps. Facile. Si je mets certains dés, alors le but, ça va être quoi? Ça va être d'être majoritaire en termes de valeur de dés. Donc, on va prendre un exemple, tiens, hop, et hop, si à la fin de la partie, là, tu as 8… Moi, j'ai 5, ok. Là, c'est toi qui es majoritaire, tu gagnes cet endroit-là. D'accord. Un donc, espèce de quartier. Voilà, ce quartier. Ok. Alors là, tu vas dire, bah, c'est très simple, je vais mettre que des grands dés et comme ça, c'est moi qui remporte. Qui prend tout le temps. Et c'est là qu'intervient eh ben non. Le jeu. Alors, les dés ont des pouvoirs qui sont effectivement rappelés dans ton petit on va dire quartier, enfin ton petit casier. Alors, comment ça marche? Les 1 et les 2. Donc, quand je mets un 1 ou un 2, je peux immédiatement, là, hop, par exemple, j'en mets un sur le quartier, ok. Je mets immédiatement un 2. Là, j'enlève le dé de mon choix sur le quartier. Donc là, il y avait le 6 du père Guillaume qui me gérait. Hop, il est balancé au centre. Ah, je ne le récupère pas. Pas de la manche. À la fin, tu le récupéreras, mais là, il compte plus. Okay. Donc, un ou deux petites valeurs, mais pouvoir très intéressant. Ah oui, tu m'étonnes. Ensuite, le 3 ou le 4. Quand je mets un 3 ou un 4… Il y a un curseur qui bouge. Voilà, exactement. Je vais pouvoir faire décaler la petite échelle, c'est-à-dire descendre ou monter dans le quartier. Et ben, c'est plus ou moins intéressant dans le quartier. Donc, tu vas voir, parfois, tu as intérêt à descendre, parfois intérêt à… Je suis tout petit, mais je te pourris le quartier. Exactement. Ouais, d'accord. Ok. Et 5 ou 6. Rien. Rien parce que… Ils sont déjà balèzes. Voilà. Ok. 1 ou 2, j'enlève. 3 ou 4, je fais varier. 5 ou 6, c'est bien. Tout ça en temps réel. Tout ça en temps réel. Dès que tu as joué… Que faut-il faire? Dès que tu as joué, tu vois. Ok, tout ça marche. Bam, 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 je les ai joués tous. Hop, je retourne le sablier. Le premier, donc. Voilà. Là, il reste 10 secondes. Et moi, je peux sécuriser un endroit pour dire là, plus personne n'y va. Ah, excellent. À la fin des 10 secondes… Tout le monde arrête de jouer. Je crie top, tout le monde arrête de jouer. Et on résout. Exactement. Ok, que faut-il gagner? Des points de gelée? Des points de gelée, exactement. Ces points de gelée, on les verra pendant la partie. Okay. Mais donc là, par exemple, tu vois que c'est 2, 7, 0. Voilà, ok. Ici, 3, 6, 1. Ici, on a des jelly pods. Ça, c'est des petits coffres. Tu ne sais pas combien il y en a à l'intérieur. D'accord. Tu récupères le pod et tu as la valeur qui a marqué derrière. Ok. Entre 1 absolument. Et 8. Ouais. En sachant que là, les quartiers, tu les as mis plus ou moins aléatoirement. Il y en a plusieurs dans la boîte. Il y en a plus ou moins en fonction de la taille et du nombre de joueurs. Donc, du coup, il peut se passer des tas de choses. Ils sont… Je n'ai pas vérifié. Ouais, ils sont tous recto verso. Ah, en plus, ils sont recto verso. Ah oui, donc il y a largement de quoi faire pour avoir des parties différentes. Voilà. Okay. Et là, moi, j'ai mis une configuration qui est indiquée avec des petits, tu vois, petits points verts, qui est plutôt simple pour démarrer. Ah, ok. Voilà. Conseillé pour découvrir le jeu. C'est ça. Bon, et bah, juste, j'ai tout compris. Ici, tu vois, c'est un quartier un peu spécial. Moi, j'appelle ça le quartier des enfoirés, si je puis me permettre. Bah, là, tu donnes un gelé à tout le monde. Ouais. Tout le monde te donne un, tout le monde te donne deux.
D'accord. Et ici, tu vas gagner 2 pour chaque jellypot que tu as gagné. Au début de partie, ce n'est pas intéressant. Mais plus ça va aller et plus tu vas te faire un maxi point. 4 manches, dernière règle et on peut démarrer. Ok. Ok. Une interdiction. Si je mets 2 dés identiques sur un même quartier, là j'ai mis 2-5. Je peux le faire, je l'ai fait et tout. Bah, là, si la patrouille. Voit. Non, même pas, c'est à la fin. Ah, même pas. Quand à la on fin. Aura fait le décompte et tout ça. La patrouille t'a vu, il y a eu 2-5, on enlève les dés identiques, ils ne seront pas comptabilisés. Oh la vache. Ok, donc pas de doublon. Sinon, tu mettrais plein de 6. Voilà. Bah, oui, tu oui, peux le faire, mais, ça... mais là, parfois là. Tu peux le faire même tactiquement pour enlever plein de dés à quelqu'un, tu veux mettre plein de 1. Ah oui, mais les compte pas dedans pour la majorité. Voilà, mais tu sais d'avance que c'est mort derrière. Ok, première manche, ladies and gentlemen, start your engine of the Jelly Monster. 3, 2, 1, c'est parti. Attends, c'est un 2 Roméo que t'as mis là? Ouais. Exact. C'est... Tac, hop. Donc les pouvoirs, c'est toujours immédiat. Après. Okay. Et on en met qu'un seul et on relance. Hein. Ouais. Vous êtes un peu gaga, hein? Ok. 4. Ça, c'est 2 plus un pod? Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est bon, je peux. Qu'est-ce que je fais? Ok. Tiens, voilà, puisque c'est comme ça, ça a l'air très drôle ton histoire. Où est-ce que je suis? Tiens, voilà, puisque c'est comme ça. Oui. Il l'a sécurisé. Hop. Ah, le con. ce genre de réaction Roméo me plaît beaucoup. Hein, un petit placement de dés, un oh le con et le truc qui se termine. C'est nickel. On est petit poil dans le C'est Jelly Monster. C'est très bon. Donc là, on va regarder. Ok. Alors, comme on l'a vu, il arrive parfois que quelqu'un se trompe à la première manche. Là, Roméo l'avait fait. Ouais, il mettra deux. Ça arrive. C'est-à-dire que votre première manche, je préviens les gens quand vous allez jouer. On fait une bêtise. La, voilà, ça la se première, passe pas bien. C'est pour voir ce qui se passe. Exprès, merci, Roméo. C'est histoire de huiler les cerfs. Et après, plus on entre dans le jeu, plus on va voir les finesses. Ouais. Donc, ici, on va commencer, ok, par tac. Toujours, on commence à droite de celle-là. Je vous expliquerai pourquoi. Et au tout début de la partie, je ne vous les ai pas donné, mais on a. Deux petites jellies chacun. Ah, on démarre en ayant un peu tatané le monstre, on peut en avoir à donner. D'accord, ok. Alors, on va commencer là, puisque c'est moi qui gagne, là. Ok, donc le noir à 7, 2 et 1. On est bien à 7, vous n'avez pas descendu plus. J'ai oublié. Ok, les pouvoirs sont facultatifs, donc moi j'ai mis un 3 à la fin. Oui. Je ne l'ai pas fait descendre, je l'avais obligé. Bien sûr. Donc, je récupère 7, 5 et 2. On continue avec ici le vert qui récupère 2 et 1 jelly. Ah, pour tout ça parce qu'il a mis un 6 en dernier. Enfin, après le con. Ici, le vert encore qui va gagner 6 jelly. Vous me faites suer les gars. Ici, magnifique, le bleu incroyable qui réussit à remporter 3 jelly. Ah, tu vois, j'ai quand même gagné quelque chose. Et qui va pouvoir m'en donner 2 immédiatement. Mais ça, c'est un truc. Chacun. C'est l'enfoiré. Et vous allez voir que C'est ça. C'est là où on voit que le jeu, malgré les dés tout ça, est assez... tactique, je suis celui qui a eu le plus de dés enlevés. C'est pas cool. Et ben, je suis allé voir le plus le monstre, donc je gagne un petit. Ah, ça c'est dégueu. J'avais pas dit cette règle. Ah, c'était volontaire. C'était volontaire. Quel gros dégueu. Donc, traite. Ça c'est la compensation. Celui qui a le plus de dés enlevés récupère un deal. Ouais, je me suis placé comme une merde alors, parce que j'ai rien gagné. T'as pas été extraordinaire, mais je suis content que tu le dises. Merci, hein, Antonin. Ça fait plaisir. Le coup de la petite jelly à la fin, Antoine, tu m'as. Oh le con. Ouais, ça va pas servir à grand chose. Donc, hop, maintenant, parce que l'être humain est un peu bête, il joue souvent devant lui, je tourne d'un cran. Ah, d'accord. Juste pour le plaisir de nous perdre encore un peu. Nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des joueurs. Non, c'est ça, nous sommes des joueurs. Okay. Attention, deuxième manche. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Et finalement, tu commences à réfléchir comme un gros bourrin. Qu'est-ce que je fais? Non, non, bah fais-le comme ça, ok. Oh la vache, ça me fait peur à la tête, ça me fait peur à la tête. Oh, il m'a eu. Je sécurise. Je sécurise. Je sécurise. C'est terrible. Bon. Vas-y, attends, moi, t'as plus que 10 secondes. Attention. Dépêche-toi, dépêche-toi. 3, je n'ai plus 2, que jouer. 1. Non, ça ne me fera rien. Mais c'était... Ah, mais je suis con, j'aurais dû mettre un 3.
C'était un 3. Ah non, j'avais rien. Non, ça ne faisait deux. Que 2. Là, c'est 3, c'est mieux. Non, ce que j'aurais fait à ta place, Romain. Merci. Quoi? Merci. Mais non. Mais non. Il y a 2-1 là. Oui, oui, comme c'est 2 dés pareils, ça va être tiré. Tu es adorable. C'est la règle exprès. Il m'a protégé. Qui est exprès pour oublier. Ça, c'est fait exprès dans le jeu. Oh, ah, j'aime bien, j'aime. Je me suis dit, nickel, avec un petit 1, je lui passe devant. Oui. Eh bah oui, bah, j'avais oublié la règle. Ok, et je donc, vais te donner 7 jellies. Ce que tu aurais pu faire, Roméo, ce qui aurait pu être intéressant, honnêtement, c'est de te retirer un propre dé ici. Ouais, ça aurait été brillant. Comme ça. Tu passais devant. Tu passais devant et tu récupérais un. Enfin, à égalité. Mais... Non, on aurait tous pris un, alors d'accord. Que là, c'est le seul à pas prendre un. J'ai manqué de donc, on va commencer là avec Guillaume qui fait un magnifique. Ça me tue. Voilà, donc il récupère rien. Ce qui fait 7. Mais c'est bien que j'ai fait cette erreur-là. Normalement, il y en a toujours un qui l'a fait. Ouais, 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 sauf que j'en ai pas l'air, mais je suis désolé pour toi. 2 et 1 jelly pour Romé. Ici, tu as mis énormément pour 1. Puisque je me suis permis de te le faire descendre. Il y a 2 pareils, mais c'est pas très grave. Je déteste ton jeu. Voilà, de toute façon, je le savais. Hein, rapidité, tout ça, je te déteste. Ici, 3. Mais c'est là où c'est pas que de la rapidité. Si, si. De cruel, salopard. Ils sont et là, plein tout le monde me donne 2. Je suis à 4, mais... Non, pas celui qu'on a le moins. Si, 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 ça c'est... C'est dégueulasse. Mais c'est quoi ce mais comme le monstre est très gentil, ceux qui ont eu le plus... Ouais, génial. Un, donc tu peux en récupérer un. Oui, bah. Ah, il va m'avoir sur les télépodes. Hein. Il est en train de. Faites okay. De la monnaie, je veux savoir à combien vous en êtes là. Gavé, ouais. 5 et 5, ça fait 10. Tiens, prends 10 jelly. Quel enfoiré. 1, 2, 3. 4, 5. Et en plus, j'ai un acolyte. Il me fait les points. Sérieux, t'as combien fin de tour. Moi, j'ai 16 et 2 jellypods. 16 et 2 jellypods. 15, 16, 18, 18 et 2 jellypods. Ah, j'ai 2. Ah, bah c'est cool. J'ai encore 2 manches pour m'en remettre. C'est bien. Bande de pourras. T'inquiète, je vais pourrir Romain. Non, t'es bleu toi. Ah oui, mince, ça m'a pas fait mal. Moi, quand il me pourrit, il est terrible quand il me pourrit. Putain, t'es vraiment un enfoiré. Man. Tu m'as tout pourri. Alors que mais je suis derrière, imagine. Tu peux pas pourrir un peu ton frangin. Mais j'ai essayé, mais c'est toi qui t'es auto-pourri. J'ai 20 ans entiers pour me faire pourrir, pas lui. Ouais, c'est donc, un traumatisme. Ce type est le plus. C'est le gars le plus adorable dans la vie, mais le plus enfoiré au jeu de société. C'est la catharsis. Ouais, bah je suis pas sûr. Purée, en fait, j'ai pas envie d'habiter avec toi. Un jour, il va péter les plombs, il va te planter un truc dans le dos. 3, 2, 1. Tu t'éparpilles, Guillaume. Faut pas aller partout. Toc, 10 secondes. Là, faut lui faire descendre. Roméo, vas-y, vas-y, fais-lui redescendre. Vas-y, 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 fais-lui redescendre. Hyper. Bien, parfait. Terminé. Trop bon, oh, trop bon, trop bon. Trop bon, mais mon cher Guillaume, vous n'avez pas gagné grand-chose. Moi aussi, je m'en fous, j'ai gagné un gelpod. Et alors? Et alors? J'ai un pod. Ah, il m'a eu là en plus. Tiens, voilà, donc j'ai un pod, c'est fait. T'as un pod ici, moi j'ai 1 à cause de toi qui. Très, tant mieux. Non, mais attends, tu croyais pas. C'est un... Ici, je gagne. Ah, il va se plaindre. Ah, 3. Il est terrible. Ici, tout le monde donne 1 à Romé. J'ai pas. Tiens, j'ai pas ici, je gagne 7. Et moi, pourquoi j'ai pas rajouté un petit dé hein. Et tu gagnes un jelly en plus. Ah ah ah. Non, mais alors là, je m'en fous. Il repasse devant. Tu m'aides à le pourrir, Guillaume. Ah, bah c'est clair, mais il va en prendre. Pour son grade. Très bien. Je t'inquiète. Purée, j'en reviens pas comme il me la joue contre moi. Quoi. C'est la dernière pas du tout contre toi. Si, si, quoi. Bah, complètement. À chaque fois, tu me pourris mon plateau. Mais je t'ai rien pourri, là. Mais si, tu m'as tout fait des. J'étais à 7, mais... tu me l'as mis à 1-0. Mais c'est pas moi. Ah, oh, on t'a vu. C'est tiens, hé. Hey, vidéo sur. C'est le jeu du parano. Oh, j'y crois pas, quel enfoiré. C'est la quatrième, là. C'est la dernière. Oh là là, enfoiré. Il est en train de nous avoir. Go. C'est lequel, c'est celui-là. J'y crois pas, quoi. Pose des dés, tu vas voir comme ça va être drôle. Mais non, mais si tu fais que me pourrir, ça va pas bien. Je m'en fous, Roméo va gagner. Mais non. Si. Tu peux pas faire ça. Bah alors là. Oh, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, ça c'est dégueulasse.
Pourquoi moi? Mais c'est lui qui est devant, pas bleu. Mais pas bleu. Mais non. Oh, il me l'a mis à zéro. Bande de crapules, quoi. Allez, on va commencer ici. Il est terrible. 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, du coup, rien. Ok, récupérez vos dés, bande de chacal. En plus, il refait une Jenny Pod. Ici, deux par... Ah non, c'est à la fin, t'as dit. Non, c'est bon. C'est bon. C'était celui-là. Donc, j'en ai 3, ça fait 6. Non, c'est celui-là, deux par Jelly. Là, t'as deux et un Jelly. Ça peut être mieux, même. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, mais moi, tu vas voir que c'est de la merde. J'ai pas de chance au tirage. Ici, ça fait 6 pour Romé. Ça, c'est ton jeu décisif, Anto. Eh, mais ici, ça fait 3 pour Guillaume. Personne me l'a descendu. Hein. Ici, tout le monde me donne 1. J'ai pas fait énorme quand même, hein, Romé. Ouais, bah, oui, mais je pense que c'est suffisant. Et parce ici, que... on gagne un Jelly chacun. Est-ce que tu Guillaume. Fais ça, voilà. J'espère que ça. Jelly Pod. Yes. Oh, l'enfoiré, il a dit. Allez, allez, attends, on y croit. Attends, mets de côté Jelly Pod. Attends. Parce que là, en termes de Jelly, je suis une bouse intersidérale avec. Rigolez pas, quoi. Avec 5 pauvres Jelly. Ok. Bon. Alors, si jamais, fais voir tes. Oh, punaise, j'aime pas ça. Convertis-moi ça en 10, que je vois combien t'as fait. Je te sens puissant, toi. Je te sens très puissant. Tu m'énerves. Vraiment, tu m'énerves. 5 et 5, ça fait encore 10. Il est en train de tricher. Tu me gonfles. Mais non, mais tu me gonfles. Et là, attends, faut que je lance là. Ouais, lance le dé. Pour savoir combien ça vaut quand c'est ça. T'en as à combien déjà? 30. Allez. C'est un truc de malade. 4. C'est pas mal, au-dessus de la moyenne. Bouge pas. 4. Ah bah 10. Oui, ça fait 10. Ok. La quarantaine. 40. 40. Punaise, 40. 33. Ouais. 33 petits points. 30. Ah, 7 de plus, 40. 30 ouais. 33. T'as 33, je crois, c'est ça. 10, 20, 20, 30, 33. 30, 31, 32, 33. Purée, j'y crois pas. Faut que je fasse au moins 20. Oh là là, un dé. Si allez, jamais, 6, hein. Si jamais je fais un petit 1, là. Je vous détruis tous. Oh, 3. C'est pitoyable. Médiocre. C'est médiocre. Tiens, vas-y, file-moi 3. Tu veux quoi, 3? Ouais, 3. Tiens. Tant pis, 3 encore. Bon, c'est pas grave. Oh, puis 2. Oh, mais non, mais. Oh, 1, mais arrêtez. Oh, ça m'énerve. Je fais même pas. Tu vas dire que c'est à cause de ça? Mais oui, bien sûr. C'est que de la moulasse. C'est que de la moulasse et de l'anti-jeu que vous avez fait. Romeo, moins quand même. Toi, sur. Mais d'accord. Toi, hein. Et pourquoi mais on sur a fait... moi, on a vu hein? La face du monde. À la face du monde, ça a été découvert. C'est un pourrave. Pourrave. J'ai voulu surtout montrer que c'était un jeu de dés, mais il n'y a pas tant de hasard que ça. Bien sûr. Ah, mais c'est... Parce que celui qui connaît le mieux le jeu gagne. Voilà. Tu as raison. Cela dit, je ne peux pas dire le contraire. Tu as raison. C'est ton jeu, tu le maîtrises. Et c'est ça. Et en fait, tu le vois aussi, la rapidité n'est pas si importante que ça. C'est-à-dire le coup où tu es allé très très vite. Et ouais, j'aurais dû te dire avant, je vais aller vite, je le pourris. Voilà, la rigueur. Si on fait carrément. Là, une alliance. La vraie, enjeu, c'est. Bâche de leader. La rapidité exécutive, c'est-à-dire faire le bon choix en le poussant. C'est comme Mbappé. S'il ne suffit pas d'aller vite. Non, mais la fameuse. Une période de Coupe du Monde oblige, c'est pour ça qu'on a. Mbappé, sa principale qualité n'est pas d'aller vite, mais d'être vite, rapide dans l'exécution. Rapide dans l'exécution. Mais c'est un petit problème. J'ai le droit de. Je peux. Moi, tu fais comment quand tu t'embêtes et qu'il est pourri avec toi? Là, quand je gagne à la fin, ça va, j'ai ma revanche, pas la victoire. Mais là, je suis pas. Tout le monde sait que je suis plus bête des trois à la table. Non, laisse-toi. Faux. Attack of the Jelly Monster, un jeu de monsieur Antonin Bocara, s'il vous plaît, avec de la rapidité d'exécution dedans. Illustré par Guillaume Duchemin, c'est chez Libellule. C'est déjà en boutique, n'hésitez pas. Ça coûte, tu sais combien que ça coûte? Je sais plus, 22, 25, je m'en rappelle plus. Moins de 30 euros, 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour 15 minutes de délire, sauf pour celui qui n'est pas bon en rapidité d'exécution. Que voulez-vous? Mon cerveau m'a fait un corps d'athlète et par contre derrière, je me rattrape comme je peux, hein, Antonin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Roméo d'avoir joué et puis d'avoir essayé de freiner un petit peu les velléités monstrueuses de l'anglais Antonin. Nous, on se retrouve avec d'autres Jelly Monsters, ludiques ou non. Merci à Germain d'avoir réalisé cette vidéo. Merci Antonin d'être venu et de t'être prêté au Jelly Monster. Rendez-vous pour d'autres vidéos et donc d'autres défis à remporter. Ou non, comme d'habitude, c'est toujours les mêmes qui prennent de toute façon.